Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance. On va voir la page 99. Je m'entraîne. Indique la nature des mots soulignés et dans la tabia des mots soulignés. Tout, 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 tout et tout. Il travaille tous les jours dans son laboratoire. Il a tout. Il est placé devant un nom au pluriel. Donc, c'est un déterminant. Toute technologie, il est placé devant un nom, donc c'est un déterminant. Ne t'inquiète pas pour les valises, toutes suivent. Donc, il est placé devant un verbe, donc c'est un pronom. Le savant est tout content, tout placé devant un adjectif, donc c'est un adverbe. La chercheuse est tout émue de sa découverte, tout est placé devant un adjectif, donc c'est un adverbe. Complète les phrases avec tout, toutes, tous ou toutes. Ils sont tous arrivés pour la présentation de nouveaux produits. Toute désobéissance sera sanctionnée. Désobéissance, c'est un nom. Donc on va écrire toutes. Toutes, c'est un déterminant au féminin. Féminin singulier. Toute désobéissance sera sanctionnée. Sophie s'enfuit en toute hâte. Il est placé devant un nom. Ce train roule à toute allure. Il est placé devant un nom au féminin. Les enfants sont tous arrivés en retard. Arrivés en retard. Les filles sont tout émerveillé. Il est placé devant un adjectif. Ils sont tout émerveillés. Donc il est placé devant un adjectif. Tout devant un adjectif. Donc toutes les gares sont fermées. Donc il est placé devant un nom. Toutes les gares sont fermées. Écris une phrase avec tout devant un nom masculin au pluriel. Tout devant un nom masculin au pluriel. Donc on va écrire tous les enfants porteront un manteau. Et donc tout il est placé devant un nom masculin au pluriel. Tout devant un adjectif. Elle est toute contente. Elle est toute contente. Elle est toute, il est placé devant un adjectif. Tout devant un verbe. Les élèves et les enseignants tous vont partir. Donc, tous, on remplace les élèves et les enseignants. Donc, on remplace un pronom. Je m'évalue. Indique la nature des mots soulignés. Donc, qui m'a fait l'exercice, je m'entraîne. Indique la nature des mots soulignés. Nous allons tous les matins à l'école. Nous allons tous les matins à l'école. On a tous les placés devant un nom. Donc, c'est indéterminant. Toute recherche est utile pour la science. Donc, toutes les placées devant un nom, c'est indéterminant. Ne t'inquiète pas pour les bagages, tout suivent. Donc, tout est déplacé devant un verbe, donc c'est un pronom. Le laboratoire est tout équipé. Donc, là, tout est placé devant un adjectif, les voies équipées. Donc, c'est un adverbe. Tout savant doit faire de la recherche. Tout savant doit faire de la recherche. Donc, tout, il est placé devant un nom masculin ou singulier. Donc, c'est un déterminant. Complète les phrases avec tout, toutes, tous ou toutes. Donc, tout et ils sont toutes parties pour rencontrer des chercheurs en informatique. Ils sont toutes parties pour rencontrer des chercheurs en informatique. Toute invention est un gain pour la recherche. Tout est placé devant le nom. Toute invention est un gain pour la recherche. Ragi conduit à toute vitesse. Donc vitesse, tout est placé devant un nom. Ragi conduit à toute vitesse. Ce musée des inventions appartient à tout le monde. Tout est placé devant le nom masculin ou singulier.
Ce musée des inventions appartient à tout le monde. Ces inventions sont toutes nouvelles. Ces inventions sont toutes. Tout est déplacé devant un adjectif. Donc, ces inventions sont toutes nouvelles et vont révolutionner nos habitudes. Les vacances sont émerveillées. Narakbutu est placé devant un adjectif. Un adjectif qui commence par une voyelle. Donc, les savantes sont toutes émerveillées par cette découverte. On a tout déplacé devant un adjectif qui commence par une consonne. On a tout déplacé devant un adjectif qui commence par une voyelle. On a quelqu'un l'accord. On a quelqu'un l'accord. Écris une phrase avec tout devant un nom féminin au singulier. Dans tout devant un nom féminin au singulier. Donc, j'ai travaillé toute la journée. Tout est placé devant un nom féminin au singulier. Tout devant un nom féminin au pluriel. Ne vous inquiétez pas, toutes les voitures sont garées. Ne vous inquiétez pas, toutes les voitures sont garées. Tout est placé devant un nom féminin au pluriel. Tout devant un nom masculin au singulier. Tu as mangé tout le gâteau. Tu as mangé tout le gâteau. Tout, il est placé devant le nom masculin au singulier. Donc voilà pour la page 99. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.